de Sakamamue. Attention, c'est un champ de mines. Oh, allez, Harry, sois un peu sérieux, s'il te plaît. Faites attention, c'est suspect, silencieux, mais dangereux. Harry, ouais. C'est vrai, il l'est. On peut en apprendre beaucoup sur une femme grâce au contenu de son sac à main. Mais tu avais peut-être autre chose en vue. Elastigirl. Monsieur Indestructible ? Non, ça ira, je le tiens. Bien sûr que tu le tiens. Je l'ai mis hors d'état de nuire. C'était facile. Il ne regardait que moi. Détail que j'ai utilisé pour faire mon travail. Mon travail, tu veux dire? Un simple merci suffira. Merci, mais je n'ai pas besoin d'aide. Je crois que tu devrais être plus... flexible. Chérie? On a encore le temps. Il est vivant. Il a un moyen de transport. On doit se mettre en route. Oh non! Ma raquette préférée était là-dessus! Nous sommes de fol amour. Que font-ils ici? On ne peut pas leur demander. Les mines ne parlent pas. Au moins, ils ne se plaindront pas. Très bien, on dirait qu'on a deux options possibles. Ce genre de choses vient faire dans un hôtel. Je ne sais pas, c'est peut-être pour réveiller ceux qui ont un panneau « Ne pas déranger » sur leur porte. Les chambres doivent être libérées de bonne heure. Les âmes, ouvre-toi! Monsieur, tu pourrais blesser quelqu'un! Désolé, les gars. Votre mur est réquisitionné pour combattre le crime. Merci de votre compréhension. On redescend cette plateforme et on le suit. C'est un grand hôtel. Je suis sûr qu'ils sont assurés pour ça. Ne t'inquiète pas, je peux l'atteindre d'ici, avec un peu d'effort. Voilà, dépêchons-nous! Oh.
les dames d'abord. Bien sûr. Tout ce qui compte, c'est que je rentre dans mon smoking ce soir. Intérêt à l'attraper seul. Je l'ai vu le premier. Du calme. Je reviens te chercher. Attends. Hé, hey, indestructible, Elastigirl. Vous êtes censé ne pas vous voir aujourd'hui. On est flexible en ce qui concerne les traditions. À tout à l'heure. Ne soyez pas en retard. J'espère qu'il trouvera quelqu'un. Oui, je sais, il est givré, mais je l'adore. Il prend de l'avance. Je vais sûrement devoir changer mon projet pour la soirée. Ah, ah, très drôle. L'alarme de la banque ? Il doit y avoir un braquage. Les hommes de Folamour, ils se dirigeaient vers la banque. Évidemment. Je crois qu'il est temps de se replier. Je suis désolé, la réception ne va pas être très bonne. Allez, du moment que c'est la seule mauvaise réception de la journée, vas-y. Flashman, tu y es allé un peu fort, non? Oh, je n'aimerais vraiment pas avoir à nettoyer tout ça. Je vais revenir. On est presque prêt à y aller? Oh.
voilà la banque. On va devoir construire de quoi traverser. Il faut qu'on fasse vite. Connaissant Follamour, il a déjà dépensé la moitié de l'argent pour s'acheter de nouveaux bérets. On va peut-être avoir besoin d'une livraison spéciale. Allez, vite, aidez-nous! Après ça, je dois passer chez le bijoutier. Super! Merci! Bien, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Allons faire un dépôt. Au début, tu as dit qu'on allait faire un retrait. Il faut que tu choisisses. Les deux. On va se déposer à la banque et on va retirer les méchants. D'accord. Je ne peux pas traverser. Bon, va attraper le méchant et moi je vais me préparer pour tout à l'heure. Te préparer? Tu es parfaite. Non, Bob. Attends une minute. Follamour. Ah, monsieur Indestructible! Et Indestructiboy! Hein? Pour qui tu te prends? Bah, Indestructiboy! Quoi? Tu es le gamin de mon fan club! Brofi! Brody! Buddy? Je m'appelle Indestructiboy! Je suis ton plus grand fan. Cette fois, tu es officiellement allé trop loin. Génial. Reste derrière moi, Buddy. Ne fais rien de stupide. Il faut sortir de là. Ne t'inquiète pas, monsieur Indestructible. Je peux être un super aussi. Ouais, super. Maintenant, attention. Réussirai la prochaine partie.
des champs braquent des banques parce que le crime ne paie pas? Bien sûr, Buddy. Pourquoi pas? Bonne chance à vous et à votre chiot indestructible. Ralentis, Buddy. C'est plus sérieux. Les vies sont en jeu. Je peux aider, c'est vrai. J'ai suivi toutes tes missions. J'ai vu toutes tes interviews. Je sais tout de toi. Je suis indestructible. Non, tu n'es qu'un gamin. Je ne veux pas que tu t'en mêles et que tu sois blessé. Follamour l'a complètement explosé. Comment je vais faire pour passer? J'avais dit de ne toucher à rien. Qu'est-ce que tu as fait? J'en sais rien, mais si on avait travaillé ensemble, on aurait déjà attrapé. Ça suffit, Buddy. Je travaille en solo. Encore toi? Tu ne m'échapperas pas cette fois. Tourne le système de sécurité de la banque contre nous. On doit être très prudent. Se battant côte à côte. On n'a aucun lien, toi et moi. Des lasers. C'est dangereux, Buddy. Il ne faut pas qu'il te touche. Tu parles. Il faudra plus que ça pour arrêter Indestructible et Monsieur Indestructible. C'est un bon exercice. Buddy, fais attention à ces lasers. Je dois rentrer en un seul morceau. Tu vas te blesser! Je vous aide! Tu peux jouer, hein? Fini de jouer, Follamour! Je trouve ça incroyable que vous croyiez que ça va m'arrêter. Bien joué, Monsieur Indestructible. Il en faut plus que ça pour nous perdre. Je dois me débarrasser de ce gamin. Je dois choisir une bonne cachette pour éviter les explosions. Buddy, tu me suis toujours? Ne te perds pas! Je suis là, Monsieur Indestructible! Oh.
Sacré défi qu'il vous lance ce labyrinthe, pas vrai? Un autre gadget. Je suis sûr de savoir m'en servir. Buddy, on n'a plus le temps de se tromper. J'ai quelque chose de très important à faire ce soir. Reste sur tes gardes, Buddy. On y est presque. Je dois être rapide si je veux les lui renvoyer. Non, mais arrêtez! Fais-moi une. Non, mais arrêtez! Je vais chercher la police. Non, stop, il y a une bombe. Ramenez-le chez lui et dites à sa maman qu'il a fait une grosse bêtise. Je pourrais t'aider, t'as tort de faire ça. Je repars. À la dernière minute, tu exagères. Sois donc un peu plus flexible. Je t'aime, mais si tu veux que ça fonctionne, il ne suffira pas que tu sois Monsieur Indestructible. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Oh oui. Je vous déclare à présent mari et femme. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, quoi qu'il puisse nous arriver. Hé, hey, je t'en prie, on est des super-héros. Rien ne peut nous arriver. Pour la première fois, un super-héros est poursuivi par les victimes de l'accident du métro.
La condamnation d'Indestructible a coûté des millions au gouvernement et a ouvert la voie à un déluge de plaintes contre les super-héros du monde entier. Sous la pression de l'opinion publique, le gouvernement a discrètement mis en place le plan de réinsertion des super-héros. Où sont-ils aujourd'hui? Ils vivent parmi nous, citoyens ordinaires, héros ordinaires, continuant discrètement d'œuvrer dans l'anonymat pour un monde meilleur.